Cadavre, ça bouge à l'intérieur. Je passe à l'étage. Confirmé, confirmé. Sur moi, sur moi, sur moi, bire. Back, back, back. Je l'ai touché. Faut y aller, hein, faut y aller ensemble. Il a fermé la porte. Faut y aller, les gars, faut y aller. J'ai pas notre accès, je vais dans son bac là. J'ai que deux cartouches dans les chargeurs, c'est chiant. Il est mort, c'est bon. Bien joué. J'ouvre la porte. Gravier dehors, ça va sans scav. Je crois que c'est dehors. T'es étouffé, c'est pas au-dessus de nous? C'est peut-être au-dessus. T'es que au-dessus, t'es que au-dessus. Ça scav, putain, il m'a fait peur, il est planté, il m'a trop fait flipper, ça enculé. Il est encore bugué? Oui. Il est bugué. Ok, j'ai quelque chose qui vient de traverser le bâtiment à droite, peut-être un scav. Ah. Une gazelle encore. Ok, ça, il fait des wiggles. C'est un joueur, attention Nicolas, reste pas proche de lui tout seul. Ok, vous me protégez. Enfin, de toute façon, s'il me tire dessus, je suis mort. Et pour l'entrée d'entre scav. Oh. Allez, ça marche. Il faut s'entraider. Pour le système du karma. On regarde si notre pote se fait buter. Il passe devant, passe devant. Oh, oh mais y'a des raiders. C'est des raiders, ok, c'est du stuff. Ils sont vénères, ils sont pas contents. C'est raider oh, ça, ça bouge. Oh, bien joué. Nouveau top. À droite, à gauche, à gauche pour vous, à gauche pour vous, à gauche pour vous, les gars. A droite, à droite, à droite. Un mort. Ok, non, le mec il peut être au-dessus de nous. Ouais, il doit être au-dessus de nous. S'il est... Ou alors il a bougé, mais normalement il est au-dessus de nous. Il descend là. Il descend l'escalier, il a pris cher. Il a pris cher de ouf. Il a pris cher, hein. Il est blessé. Je vais essayer de monter. Vas-y go, vas-y, vas-y, vas-y go. Profite. Je suis. Bien joué, bien joué. Je pense que la liberté d'expression dans la sexualité d'un couple où il y a consentement. Il y a consentement de liberté d'expression, je vois pas le problème. Tu es libre de parler de ce qu'ils veulent sexuellement, surtout s'ils sont d'accord pour en parler. Si dès le début, l'un des protagonistes du couple met en place des barrières, des limites, genre je n'autorise pas les discussions de type nourriture plus sexe, bon, les limites sont posées, il y a leur acceptation de ce contrat, et donc conversation autre que nourriture plus sexe entre dans la liberté d'expression, sexualité, n'est-ce pas? On assiste alors à une évolution du consentement qui devient un consentement à condition, un consentement à limite, et ne nous autorise plus à faire de sorte d'expérience au gré des limites imposées par l'un des protagonistes, encore une fois. T'as suivi les barésies sur les grosses cuisses du rôti de porc. Ah, je pensais plus à faire intervenir de la nourriture dans les relations sexuelles. Mais il est vrai que aussi, comparer les parties du corps à certaines parties de nourriture, bon, cela peut rentrer. Encore une fois, cela dépend des personnes et des limites imposées. J'espère que vous êtes en accord ou non avec mes propos concernant la nourriture et la sexualité. Et notamment la liberté d'expression au sein d'un couple ou le consentement d'une expression sur la sexualité. J'ai perdu ma phrase, j'ai perdu le fil. J'ai tout mélangé, je crois. Écoutez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'ai malheureusement perdu le fil. Oh non, je venais juste de déverrouiller. Il m'a éclaté avec son pompe. Par contre, ouais. Ok, ça se tire dessus à la Saiga. Je crois pas que c'était intérieur, je crois que c'était plus vers le train. Et là, je ne vois rien. Il était là, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. 11h42, l'équipe spéciale, Skyco, Nico, Mister Leroy, avance sur les zones. Des coups de feu auraient apparemment eu lieu pendant la matinée. Alors là, effectivement, on avance sur la zone. On va avant tout établir un périmètre de sécurité. Si le personnel est armé, il est possible qu'il y ait forme d'hostilité et que nous puissions subir quelques attaques, n'est-ce pas? Ça vient de monter. Ok, à l'étage. Scav, joueur. Il est descendu. Descendu? Ok, je reprends la hauteur pour lui. Oh, j'ai pris tête. Non, il était pas descendu, je l'ai tué. Y'a un mec qui est descendu, ils sont deux alors. Ils sont deux alors. T'es mort? T'es en haut, Sky? Oui, je suis en haut. T'es mort, Alex? Non, ça a pris un. J'ai pris un ricochet, mais. Putain, je l'ai niqué. Ok, je crois que c'est clair en bas. J'attends pour faire le second. Allez. Sound, t'as rien entendu? Y'a pas un bruit là. Allez, parfait. Go, go, go! Ça fouille peut-être. On monte au troisième direct. Check deuxième. Vas-y, y'a des cadavres PMC en haut là. Oh putain. Ça se battait là-bas, hein. Nicolas, recule. Go, je pense. Y'a des cadavres partout, mon gars. Ouais, ah, il va y avoir un joueur là. Je vais Ouais, tu cours tout droit. Hein. Attends, ouais, attends, feu! Oh, j'ai pris la race, il est dans la salle. Putain, je vais crever. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort.
Ok, faut que je me soigne parce que j'ai vraiment plus de vie, moi. J'ai 80 HP, mon gars. Ok, oh, à droite c'est clean, à droite c'est clean, ok. J'ai juste le temps de la tête. Just die already. Non, ça a l'air bon, ça a l'air bon. C'est bon? C'est toi qui tiens? Ouais, c'est moi qui tiens. Ok. C'est toi qui gueule? On évite de se bloquer. Ouais, what's the matter? Are you scared? Tu m'as foutu la pression de ouf, j'étais pas bien là. Ok, vous savez quoi? Je vais vous faire un question pour un looter, ok? Pour un Airsas, je vais vous poser une question. Vas-y. Celui qui répond gagne le Airsas. Une arme quand même vraiment cool. Vous avez le droit à une chance, ok? Une chance chacun. Celui qui connaît mon niveau de PMC. Oh putain, je l'ai pas vu. Ah, attends, 52. Ah bah Nico, bravo. J'étais en octogue dans mon putsch. Oh, c'est de la triche. Alors commence. Ça fait bugger le chargeur, du coup je peux pas dégager. Oh, il tire. Dans le dos. À l'escalier. Putain, j'ai perdu une jambe, les gars. On va se faire gros. Il est mort, mais je vais mourir aussi. C'est bon, stop. Nico est mort d'une greu. Mais oui, j'avais dit il y avait une greu. Tu m'as tiré dessus. Et qui la Gisèle? Je crois que c'est Nico. C'est Alex, c'est moi. Ah, c'est Alex, pardon. Ah non, mais non, j'ai pas Gisèle, je suis trop con, j'ai le tac-tac. J'en ai acheté 4 Gisèle, mais je l'ai pas équipé. J'ai déjà donné mauvaise info. My bad. Ah, ça commence mal, la mauvaise info, spamming de chat, vocal, on n'entend plus rien, tout ça plus tard. C'est difficile là. Oh, tu fais pas d'effort aussi, quoi, au bout d'un moment. Oh là, ça c'est compliqué là. C'est pas tolérant. Ok messieurs, nous allons pouvoir sortir de ce bâtiment. A fortiori, ce n'était que des bruits de voisinage. Ok, apparemment le voisinage se plaint de la 104, on va devoir intervenir. Il y aurait apparemment un homme qui violenterait ses chats. La police, ouvrez-nous. Open the door, motherfucker. Ouvre la police. Ouvrez-nous. Ok Thierry. Nouvelle technique, regardez. Oh, ça a marché. Ah, bien joué, bien joué. Alors, apparemment c'est pas la bonne zone, mais... il faut qu'on prenne des indices, moi je vous propose qu'on amène ça au labo. Ah je pense qu'on prenne ça et on les amène au labo. Il y a des tâches blanches dessus, les gars, il va falloir regarder la dernière. Pour plus d'études. Où sont les certifiés? Oh fuck, il y en a un autre. Un autre web printer. Sky? C'est sur moi là. Sky, c'est toujours là? Ouais, je suis gentil, qu'est-ce qui se passe? Je le vois pas. Il est sur le toit, il est sur le toit. Non, c'est moi sur le chantier. Je sais pas où il est. C'est pas comme ça. Ah, y'a de la merde sous un truc. Y'a de la merde sous un truc. Attention, bruit de buisson. Il me voit rentrer dans un buisson et il dit bruit de buisson, les gars. Imagine si c'est comme ça tout le temps. Mec, les gars, y'a un mec qui marche à côté de moi. Y'a un mec qui marche, les gars. Les gars, y'a deux gars devant moi. Y'a deux mecs, y'a un mec qui court et un mec qui marche, les gars. Mec qui court, marche. Court. Et au moins, on est à jour. Insupportable. On a les infos, c'est déjà pas mal. Ouais, spamming. Wouah, mais c'est quoi ces tirs? Un moment, monsieur, excusez-moi, hein. Faut mourir. Voilà donc les quatre lapins qui vont m'escorter. Bonjour, messieurs, j'espère que vous allez bien. On n'est pas là pour discuter, donc on va directement commencer à tracer. Je vous obéis, aucun souci, je serai très très docile avec vous. Moi, ce que je propose, c'est que le monsieur avec le fusil à pompe surveille le. le ouais, je vais attention, les gars, c'est des viewers, il y a ce point juste à côté. J'ai mis Sneak. Qu'est-ce que t'as fait quoi? J'ai mis Sneak. J'étais en visée. Oh, il est mort. Ah, ça va faire le kéké, ça c'est pas ne pas te cliquer sur une touche de souris. C'est ça qui a soif. J'en mets une neurobine. Oh, il est mort, je l'ai touché. Il a pris une de ses têtes. Oh. Putain, il a encore éternué l'autre là-bas. C'est la guerre, je suis allergique à la guerre. C'est bon, je peux y aller? Attention, il risque d'y avoir killer, les gars, j'ai entendu ce que Ok, je fais mes trous de... Oh, j'ai tué un scab. Il est... Ah, menace éliminée, monsieur le VIP, veut dire... Je suis allergique, enfin, je c'est pas ma faute. Venez dans le magasin, les gars. On va se réfugier là-dedans. Oh, VIP, où êtes-vous? Je suis blessé. C'est fou la cheville. Ah, c'est douloureux. J'ai besoin d'aide. Ah. Oh putain, on voit que dalle. Oh, attendez, il y a quelque chose là-bas. Ah non, c'est mon reflet dans la vitre. Je gaspille des M61 pour vous, monsieur. Le pire, c'est que j'ai pas de visière. Un jour, il va se retourner sur son esprit. Il va tirer. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a sauté. Oh, c'était pas un raccourci. Ah, à l'aide. Mais il est con comme une vache. Attendez. Ah bah, dis, je go gaming.
Portez-vous bien, des bisous à vous, encore une fois, merci de me soutenir et merci encore à Noachi pour le raid. Des bisous, on s'arrête là. Allez, c'était Sky, over, salut les gars, tchou tchou.